Je suis toujours à la Combien Geek Convention et je suis avec trois grands fans de Stargate. Bonjour les gars. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Vas-y, commence. Allez, vas-y. Bah, donc moi c'est Stéphane Jourdain, mon pseudonyme c'est Christopher Jourdain. Je suis le président de l'association SG4F. F comme Fox, alors on peut aussi dire France. Donc le but c'est de promouvoir en fait la franchise de Stargate à travers nos costumes, certaines pièces qui sont tirées à partir des originaux. Voilà, nous avons donc nous participons à différentes conventions avec un stand où nous présentons nos accessoires, différentes choses et les costumes que nous portons. Ok. Moi c'est Brazat. Je suis l'un des fondateurs et le responsable du groupe Stargate Props Memorabilia Museum. C'est un regroupement de plusieurs passionnés de la franchise Stargate qui ont eu l'opportunité de récupérer des studios, des costumes originaux, des objets, des props, des accessoires, des dessins, des éléments de décor. Et l'objectif de ce groupe, c'est de préserver ce patrimoine cinématographique et de le partager aux fans lors d'expositions, que ce soit avec des musées, que ce soit lors de salons comme aujourd'hui, ben voilà, pour faire perdurer un peu cet esprit Stargate et même découvrir la série par le biais de ces objets, non pas juste en regardant un épisode. Et puis, je suis également le président du groupe des Stargate Troopers, donc je vais laisser ma petite Brille se présenter. Et bien voilà, enchanté, moi c'est Brille, donc oui, effectivement, je fais partie de Stargate Troopers. Donc on a exactement le même but, c'est la 4F et François Bar, du Mémorabilia. Le but est de promouvoir la franchise du Stargate. L'association, le groupe a été créé en 2006 et passé en association récemment. Donc je ne peux pas dire mieux parce qu'ils ont été présentés en fait, tous, on est là, on a le même but, on partage la même passion. Ok, très bien. Moi, super. Et du coup, alors si on veut se renseigner un petit peu sur vos différentes activités, vous êtes disponible sur les différents réseaux, on vous retrouvera peut-être aussi sur d'autres conventions. Oui, on est, que ce soit les trois groupes que nous représentons, on est présent dans la plupart des événements en France où l'IASF est représenté. D'accord. Après, on est présent sur Facebook, principalement. Oui, les forums aussi, nous avons voilà. Les forums. Le forum de l'association, nous, SG4F, nous avons un forum. D'accord, ok. Surtout principalement sur Facebook parce que c'est voilà c'est le réseau. Je mettrai le lien du coup dans la description voilà, de la c'est le réseau social par excellence et effectivement comme dit mon collègue on fait différentes conventions et le but c'est de montrer aux gens que Stargate a existé, il existe encore okay. À travers nous et donc on fait plaisir aux gens, aux fans de la première heure, je suppose. On invite aussi les passionnés à suivre un peu le mouvement qui est de non plus rester devant chez soi devant un écran, mais d'aller en avant et rencontrer la communauté, se costumer si souhaité. On a la chance d'avoir des super personnes qui ont fait des CRL, donc des costumeries qui permettent de trouver les éléments qui vont réalisables pour lesquels on va réaliser les costumes. Donc, on est là pour aider les gens à créer leurs propres costumes. Ça peut être des costumes d'exploration, mais des costumes Tokra, Jaffa. Enfin, on est ouvert à tout, l'association est ouverte à tout et c'est vraiment le plaisir de vivre une passion vraiment physiquement en présence et avec des potes. Ok, super. Bon, enfin, c'est très clair. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner du coup sur les réseaux. Dernière question, est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit peu le tour du salon et si oui, est-ce que vous avez un coup de cœur? Alors, moi, ouais, j'ai eu le temps de faire le tour du salon. Oui, j'ai eu un coup de cœur sur un certain temps, mais je ne nommerai pas, pour des raisons de sécurité évidentes. Non, mais oui, là, franchement, c'est cool. Un coup de cœur, donc, il y a plusieurs coups de cœur, dans le sens où il y a des choses qui ont chacun leur patte, leur intérêt. Donc, en tout cas, le salon mélange plein de choses, est vraiment super intéressant. Il y a de la vente, mais il y a aussi des associations, des particuliers, des artistes. Oui. Et c'est ça qui fait que le salon est vraiment riche. Oui. Donc, pour le coup, les coups de cœur, il y en a pour tous les cœurs. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, le coup de cœur aussi que j'ai, c'est qu'il y a un mélange de tout. Tout univers de produits. Et puis, en plus, on rencontre des artisans.
qui sont vraiment géniaux, qui font un excellent travail, et des membres de différentes associations qui sont vraiment adorables, qui sont accessibles. Et c'est comme ça que, bah, grâce à ces événements-là, grâce à des conventions comme ça, on arrive à créer des liens, à se faire de nouveaux amis, hein, voilà, de nouvelles personnes. Et puis pas forcément au sein des associations, mais aussi dans ce groupe. Voilà, on discute beaucoup. Et puis, à force de discussion, bah, hop, on s'échange nos téléphones, nos comptes Facebook, etc. Et puis voilà, on crée des liens. Et puis, des fois, ça peut durer toute la vie. Et des fois, ça peut être soit des simples amitiés. Comme ça, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Eh ben merci beaucoup, les gars, d'être prêts au jeu de l'interview. Et très bonne continuation. Merci à vous. Merci. Au revoir.